Je vais y entrer. Je crois que j'ai fini par tout comprendre. Je crois que ça va bien se passer. Je crois que l'intérieur est différent de ce qu'on voit à l'extérieur. Je pense que tout est déformé là-dedans. Si vous respirez ce truc, c'est la mort. L'empoisonnement. Mais ce qui pourrait vous y pousser, c'est ce que vous entendez. Elle vous fait faire ce que vous ne voulez pas. Cette musique. Comme dans Le Joueur de flûte, nous sommes des enfants qu'on attire en mer. Jusque dans l'abysse indicible, vers l'antique cité du dessous. Là où ils dorment. Je vais y aller. Je vais tenter de m'ouvrir une voie vers l'autre côté, où que cela puisse mener. Je ne crois pas que je reviendrai. Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Bientôt nous serons tous libres. Bienvenue dans le rêve rouge des Sargasses. Suis-le plus bas, toujours plus bas. Coucou, on te voit. Regarde, c'est ce qui sera. Je crois que c'est moi que vous cherchez. Nous en rêvons tous ensemble. Impressionnant. Vois-tu, rien n'a besoin de changer. Tout est tel qu'il s'y trouve.
déjà en train d'arriver. Le rêve fait partie de chacun d'eux. On ne peut pas désinfecter le rêve. L'Exode ne pourra pas les sauver. Non, non, non. Il est trop tard pour ça. Et d'ailleurs, pour les sauver de quoi? D'eux-mêmes? Mais c'est ce qu'ils sont. Aveugle et sourd, et facile à éviter si on sait faire preuve d'un peu de chuchote. Certaines choses sont pires que les monstres. Bien pires. Les rêves. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes rêves. Je les trouve tellement intenses et réalistes. Comme si je ne dormais pas. Mais quand je me réveille, je suis épuisé, comme si je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Mais je sais pourtant que si. Et même quand je ne dors pas, j'ai parfois l'impression que je rêve encore. Parce que, là aussi, j'entends ces murmures. Ils murmurent sans...